Bonjour mes petits camarades, nous sommes le samedi 24 octobre 2020 et aujourd'hui ma petite Alexandra, qui était pas bien ces derniers jours, elle avait le nez de Kirill le clown ou de Bozo le clown. Vas-y, foutez ma gueule. Un nez rouge, hein. Et sortie quand même avec moi, c'est elle qui tient la caméra, ça va mieux, hein. Ouais. À part que t'as un peu de mal à respirer, mais ça va aller, quand on aura bien marché tous les deux, tu verras. Hein, on aura le droit de manger correctement ce midi. Donc on est parti de bonne heure. On va faire un tour aujourd'hui sur la voie verte, entre Monthermé et on va dire Deville-les-Fours, hein, dans ces coins-là. Après, on ira manger comme il se doit, parce qu'il faut combattre la maladie, mon Alexandra. Il faut combattre les gros crobes. Les gros crobes. C'est pas des microbes, c'est pas la moitié d'un crobe, c'est des crobes complets avec toi. Hein. Donc voilà, alors maintenant on est obligé un peu de foutre les masques un peu partout. Là. C'est casse-pied. Fait chier, oui. Donc on avait le masque tout à l'heure à fumer, on a eu le masque au début à Monthermé, maintenant on est sur la voie verte, on est sans masque. Alors déjà, j'arrive pas à respirer déjà naturellement sans masque, alors là avec alors le masque, là, je suis en train de mourir. Bah voilà, oui, toi qui es enrhumé, le nez bouché plus que le masque, bah t'es tranquille. Hein. C'est une marche de zombie que tu nous fais, ouais. En fait. Ouais. Donc tout à l'heure, eh ben, elle avait une barbe comme papy Alexandra, elle avait mis son masque là, hein, hein. Ça fait une barbe, hein. C'était beau. C'est pas tout ça, mais c'est parti, mon Kiki. Plus fort. Mon Kiki. C'est parti, mon Kiki. À la bonne heure. Et vous voyez que c'est quand même une belle petite balade. Ah oui, oui, il y a des glands. C'est pour les glandus, non, c'est pour mes amis sangliers. Ils viennent bouger. Oui, parce que ce qui les intéresse, c'est pas la coque. Ça, c'est le canal qui est parallèle à la Meuse, c'est le canal navigable, hein, pour les bateaux, les péniches et compagnie, ça. Hein. Alors qu'est-ce que c'est, Alexandra, que ce panneau de dingue que tu me montres? Alors, ça veut dire que quoi, selon toi? C'est le bateau qui doit être sur toi. C'est le bateau qui doit être sur toi. Ouais, ah oui. Et comme ça, le bateau, il est à l'abri. Donc t'as pas le droit de faire du bateau, c'est ça? Ouais. Tu dois. Mais t'as le droit d'être à pied dans la Meuse? Non. T'as pas le droit de faire du bateau, mais le bateau a le droit de faire du humain. Ah, c'est pas con ton truc. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, effectivement. Enfin, c'est un panneau à la con, ça. Hein, ouais, j'avoue. Pour y comprendre quelque chose. Parce que moi, je croyais que le mec en dessous, là, qui portait son bateau, il devait le porter dans le bras de Meuse, là, sur la tête, mais il devait marcher dans la Meuse. C'est pas ça? Si, le bateau fait de l'humain. Le bateau fait de l'humain. Voilà. T'as bien dit les choses. Qu'est-ce que t'as encore bouffé ce matin, là, ouais, d'hallucinogène? Ouais. J'ai mangé des céréales, comme d'habitude. Ça tire? Ouais, ça tire. Ça fait... Improviser!